Et salut tout le monde, c'est Armada Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de notre carrière suivie sur Farming Simulator. Alors non voilà, on est bien, on est chaud, il fait beau, voilà, par contre le soleil va bientôt se coucher, c'est un peu dommage. Alors, où en étions-nous? On avait acheté notre petite ensileuse, qu'on avait trouvé un petit problème avec la remorque. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté directement la vraie ensileuse, en fait, avec, enfin la vraie crone avec sa vraie barre de coupe, avec la fausse barre de coupe. Et ça marche bien, et du coup, j'ai pu mettre une... alors, c'est où? J'ai pu mettre une remorque Grand Big Body 500. Voilà, et en fait on peut en aligner deux, enfin plusieurs, mais deux l'une derrière l'autre. Pour l'instant on en a une, ce qui est plutôt sympa. Donc elle est là, notre petite. Alors il y en a qui m'ont mis en commentaire de l'épisode 6 qu'en fait il n'y avait que les billes articulées qui passent. Et non, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos en fait. Celle-ci passe, en fait on peut en mettre deux et il arrive à remplir les deux avec sa buse. Donc voilà pour les petites infos à propos de l'ensileuse. On va bientôt pouvoir l'utiliser parce que le champ 27 est en cours de culture. Voilà, il y a toujours notre petit champ 17 qui est aux enchères, d'accord. Et nos bois qui avancent, je pense que dans pas longtemps ça va spawn comme il faut. Donc ce que je vous propose en attendant, c'est que j'ai commencé à envoyer la moisson sur le champ 15. Vous pouvez voir juste ici. On va aller le vider. Et en attendant, je pense qu'on va commencer un peu à planter des nouveaux arbres ici pour que ça fasse un peu un cycle permanent de bois. Qu'on puisse en permanence faire du bois, on va dire. Qu'on en plante un peu de temps en temps. Et voilà. Alors, on va... Pour ça, il faut donc acheter des plants. Les plants qui sont... Voilà. Voilà. On va en prendre 3. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre celui-là avec la petite pince et on va aller les chercher tout simplement. Donc vous voyez, ça lag un petit peu. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis... Je fais rien de spécial à côté, mon ordi dort un petit coup de moins bien. Hein. Mais bon, on peut encore jouer, c'est encore easy pour l'instant. J'espère que ça va pas s'aggraver par la suite. Nous verrons bien. J'espère que ça va bien en tout cas. Pour moi c'est la forme. Vous pouvez peut-être constater que je me lance encore dans une petite carrière, enfin pas dans une carrière, mais dans des nouvelles vidéos sur Company of Heroes. Donc voilà, c'est juste un peu de temps en temps pour changer un peu, on va dire. Pour prendre un peu pour tout le monde aussi. Parce que j'aime bien jouer un peu à tous les jeux. Alors on va prendre notre petite remorque spéciale. Qui va bien. On va aller chercher des plans magasins et on va aller tout amener là-haut. Avant que les arbres soient prêts. Alors voilà, on a pas mal de machines, c'est vraiment agréable. C'est top. Et après on parlera un peu du... Comme vous savez tous, si vous avez regardé l'épisode précédent, j'ai vraiment racheté un petit tracteur et je vous ai demandé lequel vous aimeriez voir. Alors il y a plusieurs petites réponses. Il y en a qui m'ont proposé des tracteurs que je n'avais pas alors que je préférerais avoir des tracteurs que j'avais dans mon ordinateur. Donc les mods, hein, bien sûr. Du coup, voilà. Enfin, on risque plutôt aussi d'avoir des mods que j'ai déjà. Ça m'évite d'aller en chercher. De toute façon, j'en ai déjà une bonne petite série. Ça suffit amplement. Tac. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Ok. Et maintenant, le plus dur reste à venir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit accéléré. Le temps que je remplisse la remorque. A tout de suite.
Et nous revoilà. Donc, vous avez pu voir que j'ai quand même bien bataillé. C'est pas facile du tout. J'ai eu vraiment du mal. Je me suis pris plusieurs fois. Enfin voilà, dans l'accéléré, vous avez dû voir que j'ai bien galéré. Mais j'y suis arrivé. Voilà un peu le rendu, c'est sympa. Mais de toute façon, j'ai essayé de faire un peu le moyen le plus facile. Je vous jure, c'est très très chiant, on va dire, à faire. Du coup, voilà. On va tout de suite vider la moissonneuse. J'avais fait quoi comme champ déjà? C'est pas les mêmes. Allez, on va vider la moissonneuse, on va attaquer le champ d'à côté. Et après, on va aller planter les arbres tout simplement. Hop. Tac, la petite buse. Bon, on y arrive, quand même, on y arrive. On va aller la mettre en face. Excuse-moi. Voilà. Hop. Et c'est parti. Bon, désolé, je tourne un épisode dans la nuit. C'est des fois, on voit pas grand chose. Mais voilà, ça fait bien que je le tourne. Et là, c'est un peu des trucs assez intéressants qui sont aussi importants. Donc voilà. Je pense, je vais tout de suite montrer les tracteurs qui étaient proposés à l'achat. Donc, il y avait, on avait proposé le classe Ariane 640, donc celui-ci, on verra, il est 165 000 quand même. On va voir. On m'avait demandé celui-là, le 3600. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un tracteur puissant. Très très efficace. Assez ancien, donc le mode est sympa. Je pense qu'on l'achètera, ouais. Je pense qu'on partira sur lui un coup. Ce sera un tracteur pas provisoire, mais je veux dire, ce sera un gros tracteur. C'est pas les gros modernes comme celui-là ou tout comme ça, mais voilà. Enfin, je pense qu'on l'achètera aussi. Allez, donc j'ai amené les petits plans à notre exploitation forestière. J'ai juste vite fait vider la remorque pour pouvoir après prendre un peu ce qu'il y a dans la moissonneuse, tout simplement. On va aussi lancer un petit le champ qu'on vient de finir, et après on va s'attaquer à la plantation d'arbres. Voilà. Et ce sera bon. Après, vous expliquer, j'ai un petit projet en cours, je suis en cours de traitement et je suis en train de m'organiser pour que ça se fasse bien. Je vous expliquer après juste ce que c'est, et vous verrez ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Voilà. J'ai beaucoup de. Je l'ai remarqué dans mes vidéos que je. Déjà, je fais beaucoup de très longs. J'essaie d'éviter d'en faire. Et aussi, je dis beaucoup voilà. Et des donc. Voilà. Et donc, voilà. Mais voilà, en fait, j'essaie de faire ce que je peux. J'essaie d'éviter de trop répéter les mêmes mots. Mais bon, c'est comme ça. Fail warning. Ok. Allez, je vais lancer un tracteur. Oh non. Je me suis trompé les touches. On va prendre un essuie là, tiens. Le petit bureur. On va prendre un cultivateur. Hop, oh là. Le mec, il s'est enflammé sévère. Il fait n'importe quoi, il casse tout dans la ferme. Purée, je vous jure. Ça va que c'est le patron, parce que si t'as un employé, il aurait été viré sur le champ. Sur le champ. Parle de blague. Vous êtes en train de vous dire que le mec, il est complètement fou, quoi. Allez, on va mettre notre petit. Va être en route, on va faire
On va mettre les. On va mettre de l'orge. De l'orge. Non, du quoi ça. Allez, du quoi ça. Soyons fous. Hop. Allez, hop, on va engager de briller parce que je suis blindé de thunes. Et voilà. Donc voilà, notre petite remorque d'arbre tranquille qui va bien. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc en fait, dans l'épisode qui avait que j'avais pas pu enfin si que j'avais tourné et qui je sais pas pourquoi je n'avais pas la vidéo. L'épisode qu'on a sauté en fait en quelque sorte. Je vais vous expliquer comment on plantait des arbres. Donc vous allez voir, c'est tout simple, je vais vous réexpliquer, c'est pour moi c'est pareil pour ça. Donc c'est tout simple. On prend la planteuse qui est juste là. Il n'y a pas besoin de vider la remorque. En mettant la planteuse à côté, ça se met automatiquement dessus. Automatiquement. Ça va charger quoi, mais. Voilà. Activate planting mode. Alors, faut faire B. Non. R, déjà, pour remplir. Et après, je vais vous montrer comment faut faire. C'est tout simple. On va la mettre vers là-bas, vers les cailloux, je pense. Oh. Et là on met B. Donc il y a monsieur qui plante les arbres. Qu'est-ce qu'il fait Ah voilà. Il faut baisser la machine. On va mettre. Voilà. Et regardez, hop. Il va les planter tranquillement. Voilà, et là ça se plante, tout simplement. Voilà, c'est bien fait. Moi je trouve ça super bien fait. Bon, c'est pas hyper réaliste non plus, mais je veux dire, c'est quand même encore un mode en cours de développement. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je trouve ça vraiment cool pour faire une exploitation forestière. Le seul truc dommage, c'est que vous avez bien vu que j'ai bien galéré à transporter les arbres. Et ça, c'est un peu le problème, je trouve, sur ce mode. Du coup, on fait un peu comme on peut. On va aller le remplir. Je pense que les arbres sont bien. Hein. Hop. Voilà. Là on fait R pour le remplir et on est reparti les amis. Très chance qu'on va aller on va éviter d'en mettre trop partout non plus. Faut quand même pouvoir je veux dire manipuler des engins pour pouvoir faire notre exploitation. On va recontinuer la forêt qui est juste là. Donc D et V. Voilà. Et c'est parti mon kiki. Vitesse 1 Armada. Allez. On va pas trop s'approcher du champ non plus, parce que si un jour nous appartient, on va galérer à semer ou quoi que ce soit. Voilà, on va faire un petit trajet tranquille. Ouais, donc j'espère que ça vous plaît ce petit mode là, cette façon un peu de planter les arbres, pour ceux qui n'ont jamais vu bien sûr. Voilà. Allez, on va finir. Alors on a fait une belle forêt artificielle bien dégueulasse. J'ai horreur de ça, je vois pas quand c'est rectiligne les forêts. Hein. Bon c'est la rêve. La reforestation mais. Pas ça très jojo. Mais bon, c'est comme ça. This is life. The part of my life. Allez, tac tac tac, on va mettre le dernier. Ok, au top, au top, au top, au top, au top. Allez, allez, va. Alors,
mettre à côté. On va faire une autre rangée bien rectiligne, bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Voilà. Allez, bonhomme, tu les plantes ces arbres. Mec, tu les plantes. Hein. En plus, je les aligne même sur le côté. Super. J'essaie de faire des petites variantes du genre. Hop, les. Voilà, on va faire des petites comme ça. Petite variante, petit virage tranquillou-bilou. Voilà, allez. On va aller ranger la machine, on va vider la moissonneuse et on va regarder si simplement les arbres sont prêts à la récolte, les amis. Ce qui serait vraiment cool. Donc en attendant, je vais vous parler un peu de mon projet, ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors en fait, si ça vous intéresse, en fait je vais lancer un petit un produit, hein, je veux dire. Donc j'ai des abonnements, en fait je suis abonné à des chaînes de certaines personnes, de certains joueurs, de youtubeurs. Et je vais tout simplement présenter leur chaîne. Donc par exemple Farming 70 qui est d'accord pour ça. Je vais lui présenter sa chaîne, donc comment elle fonctionne, quelle chaîne, même sous forme d'interview, on va voir comment ça se passe. Sous forme un peu de. Voilà, enfin présenter les autres chaînes parce qu'en fait sur YouTube, ben, je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul. Le site de chaîne et je trouve que c'est sympa de présenter les chaînes des autres qui sont dans le même style de jeu, par exemple farming. Enfin je trouve ça sympa ouais, de pouvoir présenter le même un peu passion de la vidéo pour montrer qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a aussi différentes manières de présenter, de faire enfin de youtuber on va dire. Du coup voilà, enfin je vais me lancer là-dedans, donc si ça vous intéresse, que si vous avez envie que je présente votre chaîne. Faites-moi savoir, envoyez-moi un petit message et peut-être que sûrement même je ferai une vidéo sur votre chaîne. Donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer un message en me disant ouais Armada, j'aimerais que tu présentes ma chaîne. Et voilà. Donc on essaiera de faire un épisode par personne. Un petit épisode de je sais pas 5-10 minutes par personne. Et que voilà, on présente les petites chaînes et que ça prenne un peu forme. Et que voilà, qu'on fasse connaître aussi les autres. Il n'y a pas que nous. Ok? Voilà mon petit projet que j'ai en cours. Alors, on va voir juste si les arbres sont prêts. Ah. Donc là, le trait rouge, ça veut dire que c'est prêt, je crois. Et peut-être pas. Et non, pas encore. Pas encore. Donc déjà c'est-à-dire que c'est ceux qui vont bientôt être prêts en fait je crois. C'est les prochains sur la liste. Donc c'est-à-dire qu'au prochain coup ils grandissent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à la récolte. Donc c'est cool. Ça va être chaud pour que ce soit encore dans cet épisode. Ça m'embête un peu à chaque fois de vous dire que c'est toujours pas là. Allez, on va poser ça. Allez. Tac. On va aller vider la moissonneuse, vider la moissonneuse, vider la moissonneuse. Pas plus haut que le bord. Ok, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse en attendant? Alors. I don't know. Ça en est où là? Des boissons. Ok, là c'est bientôt prêt. 27. Ok.
de l'or. On va faire du colza. J'en ai où ma frère? Semeur de colza. Ah, ok. Et plus de la moitié. Bon, je vais juste lui faire aller voir juste au-dessus. Si eux par contre ils sont bons, ça m'étonnerait parce que eux je les avais plantés en dernier. Ça m'étonnerait, je pense qu'ils sont pas loin non plus, mais. Bon, vous voyez. Ils vont tous spawn en même temps, c'est marrant. On va avoir une grosse exploitation à faire en un coup là. Ok. Tac tac tac. Yes! Je sais pas si je vous avais montré mes deux modes là-bas. J'ai vite fait vous les montrer, donc si je les ai déjà montrés, je suis désolé. Et sinon, bah, je vais vous les montrer tout de suite. Donc les bâtiments pour l'exploitation forestière, tout simplement. Qui sont juste là. Celui de droite, enfin celui qui est en face, là, c'est tout simplement pour stocker les copeaux de bois. Ok, c'est pour nous, c'est pour stocker les copeaux de bois. Là, celui de gauche, juste à côté. C'est tout simplement. Ah mais je crois que je suis quasi sûr en fait de l'avoir représenté. Bon c'est pas, je vous le représente. Donc ça en fait c'est tout simple. On met les rondins juste là. Tac. Hop. Ça rentre là-dedans. On gagne de l'argent, je crois. Et après, tu mets ta remorque là en même temps. Et ici, tu récoltes tes petits copeaux de bois. Tes copeaux de bois, tu les mets ici. Et il y a un autre mode que j'ai pas encore placé puisque ça coûte de l'argent. C'est tout simplement là l'usine pour vendre les copeaux de bois, tout simplement. Alors je vais aller monter l'ensileuse là-haut, je pense. Au moins ça sera fait. Quoique pas sur autant, entre temps j'achèterai la deuxième remorque. Ce serait que ça fait pas beaucoup juste pour celle-ci. Voilà, c'est plus beaucoup. Et ben, je sais ce qu'on va faire. On va tout simplement pulvériser, oui les amis, on va pulvériser. C'est parti mon kiki. Toujours un peu loin la détente hein, celui-là. C'est vraiment vieux, il est énorme. J'adore. Bon par contre il a aucune puissance, bon, il en a un petit peu mais. C'est pas le Pérou j'ai envie de dire. Tac. Ok, let's go. Vous avez vu, je parle bien anglais. Je suis un bilingue en fait. Et ouais, je suis un fermé bilingue. Au cas où, des fois, il y a des vaches, elles sont anglaises. Hein. Attention. Ok, on va venir décorer. On va préparer des pendeuses. Enfin, des pulvées. Pardon. Yes. Ah, goutte. Ok, on est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va encore garder le suspense pour cet épisode. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment pas voulu. Hein. Je pensais vraiment qu'il allait vraiment être bon, quoi. Donc, je vais arrêter l'épisode ici. Encore une fois, un peu dégoûté. J'espère que ça vous déçoit pas trop plus que je change de programme à chaque fois, à chaque épisode. En même temps, c'est les aléas des épisodes. J'ai pas envie d'accélérer de temps. J'ai pas envie de pousser les choses non plus. Hein. Enfin, voilà. J'essaie de faire ça vraiment réaliste. Donc, on fera ça. Là, c'est quasi. Enfin, j'ai pas envie d'être sûr non plus parce que à chaque fois, vous avez vu que je me trompe. Donc, on fera ça au prochain épisode. Je l'espère. J'espère que ça vous aura pas déçu, mais j'espère que l'épisode même vous aura plu. Et que vous allez continuer à me suivre, à être actif comme vous l'êtes. Ne changez rien surtout. J'adore ça. C'est cool. En attendant, je vous dis à la prochaine. Sortez couverts et à plus. Bye bye.
Thank you.